Les enfants britanniques sont bien plus malheureux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Après 9 années d'études et quelques 50 000 sujets interrogés, c'est ce qu'affirme un rapport publié par The Children's Society, un centre de recherche sur le bien-être des enfants en Grande-Bretagne. Le rapport révèle que près de 7% des enfants et des jeunes de 10 à 15 ans ne sont pas satisfaits de leur vie. Il y a eu une baisse drastique du bien-être des enfants depuis 10 ans dans ce pays. C'est l'équivalent d'environ 300 000 jeunes personnes aujourd'hui qui ne sont pas du tout satisfaites de leur vie, contre environ 170 000 il y a 10 ans, explique la chargée de campagne de l'organisation. Nos recherches montrent que les jeunes qui à 14 ans ne se sentent pas heureux dans leur vie sont beaucoup plus susceptibles que les autres d'avoir à 17 ans des problèmes de santé mentale et de s'automutiler ou de faire des tentatives de suicide. Ce constat alarmant aurait pu être mis sur le dos de la pandémie, mais selon le rapport, les plus petits y auraient bien fait face. Ce sont des préoccupations comme l'école, les amis et l'apparence physique qui jouent le rôle le plus important. The Children's Society a exhorté le gouvernement britannique à prendre des mesures pour améliorer le bien-être des enfants.